Bonjour à tous. Un problème qu'on a quand on rencontre souvent quand on enseigne l'informatique, c'est d'évaluer les étudiants. Donc d'abord de vérifier si que leur code fonctionne, que leur algorithme répond bien aux problèmes qu'on leur pose, de vérifier que leur code compile. Et tout ça, c'est des problèmes qu'on a essayé de résoudre en créant cette plateforme. Donc je vais vous donner un peu de contexte. Je suis organisateur de l'association ProLogin, qui organise tous les ans un concours d'informatique français pour les étudiants de moins de 20 ans. Et pendant les phases de sélection, on a des dizaines et dizaines de problèmes d'algorithmique et on a des milliers de participations. Et du coup, on doit avoir un moyen d'évaluer toutes ces participations pour vérifier que les algorithmes répondent bien au code qu'on donne. Donc on a une problématique intéressante, c'est que pour être le plus large possible, on gère beaucoup, beaucoup de langages. Donc là, il y a une petite liste de langages qu'on supporte, mais on en a encore plus. Donc ça, c'est la première activité de l'association. Et la deuxième activité de l'association, c'est qu'on organise un stage un peu comme celui qui vient d'être présenté, un stage pour apprendre au fil informatique, donc avec très peu de bases requises. C'est simplement savoir faire un programme quelconque. Et ensuite, à partir de là, on va apprendre beaucoup de choses. Et du coup, que ce soit pour le but d'enseigner, donc faire partie du processus d'apprentissage pour que les étudiants puissent réaliser leur autocorrection et voir comment se comporte leur code, ou pour évaluer les étudiants, c'est deux problématiques qu'on peut résoudre avec ce qu'on propose ici. Donc, comment faire pour évaluer du code qui est potentiellement dangereux ? Du code qui peut être malicieux si un petit malin d'étudiant s'amuse à faire quelque chose, ou sur du code en ligne, enfin sur un site d'entraînement en ligne par exemple, sur un site qui fait de l'apprentissage d'informatique en ligne, on peut avoir ce problème où des gens peuvent s'amuser avec notre site. Donc ce projet, il s'adresse, comme on a dit, aux gens qui veulent organiser des concours, aux gens qui veulent organiser des sites, enfin, créer des sites pour apprendre l'informatique, ou même à des enseignants pour qu'ils puissent corriger leurs étudiants ou leur montrer comment faire pour s'auto-évaluer. Donc il faut que ce soit simple pour que n'importe quel prof puisse télécharger directement le logiciel, le lancer et avoir le programme qui tourne. Il faut que ce soit rapide et précis pour les concours, parce qu'on a besoin d'avoir absolument pas de surcoût. On veut pouvoir évaluer précisément combien de temps met le programme à s'exécuter. Du coup, il faut que ce soit sûr. Il ne faut pas qu'un code dangereux puisse affecter notre machine. Et on veut pouvoir gérer beaucoup de langages. Donc si on veut apprendre n'importe quel langage, le Ruby ou le Go ou le PHP, on va pouvoir ajouter facilement ce langage au système. Donc, je vous montre en gros à quoi ressemble notre interface, donc l'API. Donc l'exemple le plus simple, ça va être juste, on fait une requête HTTP à Camisole en lui disant on veut exécuter du Python et le code qu'on veut exécuter c'est un Hello World ou un print 42. Et le programme va nous renvoyer le fait que ça ait marché, le code de retour, des informations qu'on verra plus tard sur l'exécution du programme, et l'information la plus importante, la sortie d'erreur et la sortie standard. Donc à partir de là, on peut rajouter plein d'options. Notamment, on peut limiter la façon dont le code est exécuté. Donc par exemple, si on veut s'assurer que le programme prenne au maximum une certaine limite de mémoire, parce qu'on va dire, ok, cet algorithme, vous devez le faire en mémoire linéaire ou en temps linéaire, on va pouvoir rajouter ces limites. Donc on a plein de façons de limiter, et c'est extensible. Donc on peut rajouter, enfin on a le temps utilisateur, le temps total, le nombre de processus, des limites sur les fichiers du file system, et on peut rajouter d'autres limites. On peut aussi donner une suite de tests. Donc si par exemple l'énoncé du problème c'est écrire un programme qui prend son entrée, qui la multiplie par deux et qui affiche sa sortie, on peut envoyer une suite de tests où on donne des entrées différentes et Camisole va nous renvoyer toutes les informations d'exécution de tous les tests.
Donc, les métadonnées, c'est quelque chose qui peut être intéressant après si on veut analyser la sortie du programme pour des concours ou pour regarder si le programme s'est exécuté dans un temps correct, voire peut-être analyser pour essayer de trouver la complexité du programme. Donc, on a plein d'informations, des informations potentiellement comme le nombre de context switch ou la taille totale de la mémoire résidente ou des choses comme ça. Et tout ça, c'est des informations qui peuvent nous servir à évaluer le code de notre étudiant. Ensuite, tout ça, ça peut s'intégrer à des fontaines. Donc par exemple, ça va être l'exemple concours de programmation où on va avoir la liste de tests, la façon dont ils sont exécutés et est-ce qu'ils répondent à la sortie attendue ou pas. Mais ça peut aussi être pour un site d'enseignement où on a le code de l'étudiant, potentiellement un code d'exemple ou un code modifiable, et ensuite un bouton pour le lancer et voir la sortie. Donc, je vais rentrer un peu dans les détails techniques pour que vous compreniez comment ça marche. Donc, on a l'application utilisateur qui va utiliser Camisole, qui va juste envoyer des requêtes HTTP contenant le JSON qu'on a vu, donc le langage et le code à exécuter et les tests, et potentiellement des limites. Ensuite, Camisole va tourner dans une machine virtuelle, et va communiquer avec un back-end d'isolation qui va donc créer cette sandbox, instancier la sandbox et lancer le programme dedans. Donc, le back-end d'isolation, c'est là où les détails techniques commencent à devenir un peu intéressants. Il y a beaucoup de gens en fait, qui se posent cette question de comment évaluer le code de leurs étudiants ou des candidats de leur concours. Et du coup, il y a beaucoup de solutions qui sortent très souvent, et nous, comme on a beaucoup d'expérience dans le domaine, on en a essayé pas mal, et on peut vous donner nos avis, nos retours dessus. Donc, la solution qui est très très souvent utilisée, c'est de monitorer tous les appels système avec Ptrace. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire, par exemple, OK, à chaque fois que le programme qu'on monitor va appeler kill, on va l'enlever parce qu'il n'y a jamais besoin d'appeler kill. Et du coup, ça va empêcher, par exemple, un étudiant de tuer le programme d'un autre étudiant qui tourne en parallèle. Ou même de modifier son score ou des choses comme ça. Le problème, c'est que c'est beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de temps parce qu'à chaque fois qu'il y a un appel système, si on doit faire une action sur cet appel système, ça va augmenter considérablement le temps d'exécution du programme. C'est impossible de faire du multiprocessing avec ça, donc vous allez dire normalement il n'y en a pas trop besoin, mais en fait le problème ça va être pour certains runtimes comme Java, ils vont forcément utiliser plein de processus et du coup on va être obligé de pouvoir gérer ça pour gérer ces langages. C'est pas multiplateforme, on a beaucoup de choses à gérer, parce qu'on doit regarder tous les appels système et vérifier comment ils marchent. Et surtout, en fait, le problème, c'est que là, je vous ai donné l'exemple de kill. On s'est dit, OK, il n'y a jamais besoin d'appeler kill. Mais en fait, plus on regarde comment se comportent certains runtimes, et plus on se rend compte que on va avoir des runtimes comme Haskell, par exemple, qui vont trigger leur garbage collector en s'envoyant un signal. Donc, ils vont appeler kill. Et du coup, si on désactive ce genre de signaux, sans s'en apercevoir, on va complètement casser des fonctionnalités des langages qu'on utilise. Donc ça, c'est une solution qu'on ne veut pas utiliser. Et ensuite, l'autre solution qui est utilisée souvent, c'est Docker, qui est déjà un pas vers une meilleure direction. C'est très très lourd. Il va falloir qu'on ait un file system complètement séparé, et à chaque fois qu'on va exécuter un programme, ça va prendre de 5 à 10 secondes, même pour un Hello World. Alors que nous, on veut vraiment une couche d'abstraction qui soit très très fine, pour pouvoir avoir directement l'exécution le plus rapidement possible et pour être précis dans l'évaluation. Donc, le premier truc qu'on a fait, c'était un truc qui était à nous, qui s'appelait Big Brother, et qui utilisait certaines fonctionnalités du kernel Linux pour pouvoir isoler, donc par exemple chroot, setRLimit qui sert à changer les limitations de ressources des processus, et un processus qui allait regarder souvent quelle était l'utilisation mémoire pour aller tuer le processus si ça ne marchait pas, et ensuite un firewall qui allait vérifier, qui coupait les accès au réseau du programme.
Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de façons de contourner ça, et c'était vraiment très approximatif. Et surtout, ce n'était pas la bonne façon de faire, parce que le kernel Linux nous fournit déjà des fonctionnalités qui permettent d'isoler les choses entre eux. Donc au lieu d'aller vérifier qu'un programme ne va pas aller tuer quelqu'un d'autre, ce qu'on peut faire, c'est directement isoler complètement l'espace de processus du programme qu'on utilise pour ne pas avoir à vérifier ce genre de choses. Donc c'est comme ça qu'on est tombé sur Isolate, qui est un programme assez récent qui utilise toutes ces nouvelles fonctionnalités du kernel Linux, qui est utilisé par les Olympiades internationales d'informatique, et donc du coup qui fait cette isolation avec des namespaces, donc qui va dire par exemple, ok, je vais lancer ce programme dans un espace complètement différent, et du coup on va plus du tout avoir accès au file system, on va plus du tout avoir accès aux autres processus, on va plus du tout avoir accès au réseau, et du coup c'est complètement isolé, et on ne va pas avoir besoin de vérifier à la main que le programme ne fait pas n'exécute pas de code malicieux, parce qu'il ne pourra rien faire, il ne peut pas interagir avec l'extérieur. Et donc du coup, c'est très très léger, et on a exactement la couche d'abstraction qu'il nous faut, puisqu'on ne va jamais perdre trop de temps à par exemple créer un nouveau file system, parce qu'on va directement monter les bons dossiers en bind, et du coup ça va aller très très vite. Ce qu'on pourrait faire aussi, ce serait, notre programme il est complètement indépendant du back-end, et récemment Google a décidé de créer un nouveau truc qui est exactement comme Isolate, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités, et donc du coup potentiellement on pourrait ajouter un support de NSJail, donc leur programme, à Camisole. Donc, je vous ai parlé du système de modularité par langage. Donc, le but, c'est que ce soit vraiment le plus simple possible d'ajouter un nouveau langage, mais en gardant toutes les fonctionnalités possibles. Donc, là, comme vous voyez, pour ajouter un langage comme Python, j'ai juste besoin de donner l'extension, l'interpréteur et un code source de référence. Et à partir de là, juste avec ça, j'ai défini un programme, et grâce à certaines features de Python 3.6 comme __init subclass qui permet d'enregistrer en fait certaines classes dès qu'elles sont instanciées, dès qu'elles sont déclarées, pardon, on va pouvoir directement avec ça charger le module Python et l'ajouter dans la liste des langages supportés. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, pour que Python sache qu'il doit charger son module, on doit juste définir une variable d'environnement qui dit « Ok, il y a, la liste de mes langages se trouve dans ce dossier. » Et à partir de là, le Camisole va charger tous les langages qui se trouvent là-dedans. Donc, comme vous l'avez vu, c'est très très simple, en tout cas pour Python. Après, il y a certains langages qui nous donnent un peu du fil à retordre, comme Java. Mais c'est parce que en fait Java il va avoir plein de problèmes, par exemple il va nous obliger à ne pas l'isoler parce qu'il va décider de prendre toute la mémoire de l'hôte, et donc du coup c'est avec des options Java qu'on doit isoler sa mémoire et pas avec des cgroups. Et donc du coup ce qu'il faut retenir de ça, c'est que même si la base est très simple, on va de toute façon, quelle que soit la complexité de ce qu'on veut exécuter, avoir les moyens de le faire, parce qu'on peut toujours rajouter le code qui va gérer les cas particuliers. Donc c'est vraiment un système qui est très simple et à la fois très modulaire. Et ensuite, pour le niveau de modularité au-dessus, parce que là vous avez vu que Camisole ne peut gérer que les fichiers simples, donc c'est vraiment pour des snippets de code, on envoie juste un morceau de code, on exécute ça. Et donc ça marche bien pour des exercices d'algorithmique ou des petits exercices, mais quand on va vouloir évaluer des projets entiers, ça va être plus compliqué. Et donc du coup, ça, on peut pas juste faire une API pour ça. Donc on a une API bas niveau, où le programmeur peut lui-même écrire, enfin le correcteur peut lui-même écrire la façon dont il veut corriger ce code. Donc directement, on instancie un contexte avec les options qu'on veut, un contexte d'isolation. Et à partir de là, on a juste une commande run qui va nous permettre de lancer cette commande, et ensuite on va pouvoir récupérer le résultat du programme et toutes les métadonnées. Donc à partir de là, s'il y a besoin de compiler de façon compliquée ou d'exécuter de façon compliquée le code, on va pouvoir juste, en utilisant cette API, exécuter le programme de la façon dont on veut.
Donc c'est pas limité au fichier seul. Mais dès que le projet est un peu plus compliqué, il va falloir utiliser cette API bas niveau. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, notre but c'était que ce soit vraiment le plus simple possible à utiliser pour des professeurs. Alors on a remarqué plusieurs choses. Bon, déjà, on a utilisé des features très avancées de Python 3.6 et de langages comme ça. Et ensuite, on veut avoir des versions très à jour des langages. Ensuite, l'autre chose qu'on a remarqué, c'est que de toute façon, on va vouloir que le Camisole tourne dans une machine virtuelle parce qu'on n'a généralement pas envie de, au cas où quelqu'un trouve une faille dans l'isolation ou quelque chose, on n'a pas envie que ce soit exécuté sur le système hôte. Donc du coup, de toute façon, on va vouloir avoir ça dans une VM. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un truc qui construit automatiquement une image de Camisole. Et du coup, en fait, vous pouvez directement sur le site de Camisole télécharger un .ova, l'importer dans VirtualBox, et ensuite, dès que vous la lancez dans VirtualBox, vous avez directement le serveur HTTP qui tourne, et vous pouvez, dans ce serveur HTTP, envoyer vos, comme on l'a vu, les requêtes en JSON, et avoir les résultats avec tous les langages de base. Donc tous les langages built-in sont déjà dans la VM, et vous n'avez rien besoin d'installer. Donc c'est super pratique pour tous les professeurs qui ont juste besoin de corriger un truc très rapidement, et ils peuvent juste installer ça, lancer, et faire une requête, et c'est bon. Donc en conclusion, on a une API qui est très très élégante et qui est très très simple pour un problème qui est assez compliqué, donc c'est plutôt une réussite. Les fonctionnalités du kernel Linux sont vraiment géniales parce qu'elles nous permettent juste en quelques lignes de dire ok, on va isoler ce processus du namespace réseau ou du namespace du file system ou du namespace des utilisateurs des processus. Donc ça nous permet de pouvoir donc faire toute cette isolation de façon très pratique et très 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 efficace. Et en fait, le fait de pouvoir faire ça dans un environnement qu'on contrôle complètement, puisqu'on distribue ça dans une machine virtuelle, ça nous a permis d'utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités de Python 3.6 qui nous permettent d'accélérer beaucoup la vitesse de développement, donc par exemple les fstrings et init subclass pour l'enregistrement des modules, etc. Et donc tout ça, ça participe à donner une API très élégante. Voilà, donc on espère en fait que cette facilité de déploiement et toutes les possibilités qu'on introduit grâce à ça, ça va nous permettre d'être de plus en plus répandus parmi les professeurs qui vont avoir besoin potentiellement de faire des trucs comme ça. Et voilà, donc on a une documentation assez accessible pour l'API de base et l'API bas niveau. C'est open source sur GitHub, et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant, ou sinon j'ai laissé des informations de contact ici, dont un chat IRC. Voilà.